Okay, we'll continue in just a few seconds with Frédéric Lanquette. He's going to talk to us about hardening Debian 10. His slide will be in English, and he's going to mix French and English. Yes. If you need explanation, if you need translation or for some specific term or sentence, feel free to raise your hand. Is it okay? Yes, it's okay. Okay. Thank you. Please welcome Frédéric. Thank you to be here. So I decided at first to make the presentation in English, but some asked me to do it in French, so I will do a mixed, okay? The slides are in English, so for the English people, you can read it, and for the French people, you can hear me, okay? So, for this presentation, I decided to study the aspect of hardening the new version of Debian and to ask some questions. What is hardening Debian and what is the best practice already in place? D'accord? Donc, en fait, en gros, donc, on va voir toutes les bonnes pratiques dans Debian et la notion de hardener. Hardening qui veut dire durcir la configuration et pourquoi il faut le faire. D'accord ? Donc, nous sommes dans un contexte au niveau de cybersécurité où Linux fait figure de système le plus sécurisé. Donc, face aux menaces qu'il y a sur Internet, alors pour en citer certaines, tout ce qui est botnet malware, donc qui peuvent amener sur des dénis de service, les ransomware, parce que c'est bien d'être sur Linux en disant nous on n'a pas de virus, on est tranquille, tout ça. Souvent on héberge des données en partageant des serveurs de fichiers sous Windows, et ces systèmes-là peuvent être touchés aussi par les ransomware, via les partages ou dans les messageries. Un gros risque aussi que l'on rencontre beaucoup, c'est le cyber-squatting, enfin les crypto-bitcoin mining software qui viennent s'installer sur votre serveur et qui utilisent du CPU pour miner du bitcoin et fournir des bitcoins aux pirates. Voilà. Donc, et le dernier, au niveau risque, c'est toutes les failles de sécurité qui n'impliquent pas forcément des malwares, mais des failles qui permettent à des attaquants de rentrer sur les systèmes pour voler des données, style sensitive information, qui est le risque majeur actuellement sur Internet. La fuite de bases de données, par exemple, ce qu'on appelle les leaks, où on retrouve tous les logins, passwords, les cartes bleues de tout le monde. Donc, si on s'intéresse aux failles de sécurité, security breach, d'où viennent-elles? Alors, en grande partie, ça peut venir de bugs du système d'exploitation, directement soit du kernel, soit des services qui tournent autour. Et ensuite, on va rencontrer des bugs dans les applications, donc par exemple sur les serveurs web qui sont hébergés sur les serveurs Linux. Et on peut aussi avoir poorly configured servers, c'est-à-dire des serveurs qui sont très mal configurés au niveau sécurité et qui peuvent aussi mener à du piratage, des exploitations. Alors souvent, le premier peut être corrigé par en mettant à jour les patchs de sécurité, mais il faut se rendre compte que d'une façon globale, un système, même Linux, a besoin de tout un ensemble d'actions pour le rendre beaucoup plus sécurisé, comme on va le voir. Donc, cette présentation n'a pas pour but d'être exhaustif, je ne traiterai pas SE Linux ou AppArmor, mais on va voir quand même quelques concepts assez avancés. Alors, par rapport à ce qu'on vient de voir dans le slide précédent, nous avons besoin de hardening our system. What does mean hardening our system? Ça veut dire improving the security of a native system, c'est-à-dire rajouter par rapport aux éléments existants tout un ensemble de configurations, de directives de compilation, comme on verra,
et de bonnes pratiques à mettre en place pour renforcer la sécurité de notre système. Et l'objectif étant, the goal is to make our Linux box as secure as possible. Okay. Et c'est une lapalissade de dire que tous les administrateurs Linux doivent apprendre la sécurité, au moins sur leur système. D'accord ? Donc, à partir de là, qu'est-ce que l'on peut faire ? La première chose à faire, c'est bien sûr, c'est de s'intéresser au compte utilisateur, de façon avec la gestion des droits classiques, pour faire en sorte que les utilisateurs puissent faire leur travail et réaliser les actions pour avancer dans leur boulot classique. Il faut s'assurer que les autres utilisateurs ne vont pas avoir accès à leurs données. Et bien entendu, le dernier point, c'est qu'il ne faut pas que l'utilisateur puisse aller se balader partout dans le système pour avoir plein d'informations. Alors sur le dernier point, on se rend compte qu'actuellement, avec des commandes de base, on peut encore voir quand même beaucoup de choses sur un système Linux. Par exemple, les logs du kernel avec DMSG, on pouvait encore les voir avec les droits utilisateurs classiques. On verra que dans Buster, ça a été renforcé au niveau sécurité par du hardening. D'accord ? Alors, dans les premières recommandations pour la sécurité des comptes utilisateurs, déjà, on peut se poser la question, est-ce que c'est nécessaire de garder un compte-route actif ? D'accord ? Donc, pour plusieurs raisons. Déjà, on peut faire de grosses conneries en étant route. Sur toutes les actions. Alors encore moins, j'en vois certains qui installent leur Linux graphique en StarTX en route, hein, ça, je trouve ça horrible. Voilà. Et après, il y a aussi, au niveau, on verra après, sur la notion de log, des actions, il n'est pas forcément possible de loguer tout ce qu'on fait en route. D'accord ? Donc du coup, on se tournera vers les bénéfices de sudo, the benefits of sudo. Comment remédier, on va dire, au risque d'être constamment root. Et on verra comment configurer le système pour générer un password de qualité, même si on va considérer que le password n'est pas sécurisé et on le remplacera par autre chose par la suite. Donc, alors, comment on met en place tout ça ? Alors, la première chose, alors là, je ne sais pas s'il y en a qui vont hurler, mais on peut proposer de bloquer les accès à route. Alors on peut toujours, même si on a sudo, on peut toujours faire sudo su pour devenir route. Donc du coup, ici, directement dans le etc passwd, on met route en no login. Voilà, là, ça règle le problème. Il n'est plus possible après à un utilisateur de se connecter en route et il fera tout avec son compte lui-même et sera logué de cette façon. D'accord ? Alors, pour cela, on va utiliser sudo. Donc peut-être vous le faites déjà, c'est très bien. Et moi-même, je travaille, enfin un gros travail sur moi pour l'utiliser. D'accord ? Donc l'intérêt, on le verra dans la slide d'après, mais c'est de permettre à des utilisateurs toujours d'avoir des droits. Avancer pour réaliser des tâches administratives, mais il est rare que toutes les actions que l'on a à faire requièrent les droits administrateurs. Donc, dans ce cas, autant gérer le système, les utilisateurs, avec les aspects sudo pour leur donner des droits bien spécifiques. S'ils doivent réaliser des actions d'administration, ils tapent leur password, leur propre password, et il n'y a pas besoin de donner le mot de passe route à tout le monde, et encore moins si un utilisateur quitte le groupe, la société, on doit changer le mot de passe route pour tout le monde, ce qui est un problème. Voilà, donc ça résout déjà ce problème-là. On verra aussi que l'on peut aller plus loin. Ensuite, le fait de désactiver le compte route au niveau sécurité, ça a un impact immédiat pour les attaquants. L'attaque principale sur les mots de passe de l'extérieur, c'est le brute force. C'est-à-dire on va chercher à parcourir tout un ensemble de dictionnaires de mots de passe pour essayer d'avoir des accès sur les comptes. Si on désactive le compte route, il est plus possible ou difficile de savoir qui a les droits admin comme utilisateur. Donc ça complexifie les attaques. D'accord ? Mais on verra que les mots de passe aussi
ont vocation à disparaître dans tous les cas. Donc ici, make a sandwich, what make it yourself, sudo make a sandwich, ok, voilà, ça, c'est parfait. Alors ici, une démonstration de pourquoi on va éviter d'utiliser les accès route pour réaliser des tâches d'administration, c'est sur le monitoring des actions sur un système. On va de plus en plus vers une sécurité, on va monitorer toutes les actions sur les logs, sur ce qu'on appelle des SIM, et on voit que, par exemple, si on réalise une action avec je me connecte en SU- pour devenir route, toutes les actions que je vais exécuter dans cette session ne seront pas loguées. On voit juste opening and close session only, but not all the action in between. Nothing is recorded. Ok. Si vous utilisez votre sudo pour faire tout ça, ici, par exemple, je me suis connecté donc sur mon serveur et avec sudo, je suis devenu root. J'ai fait un apt update, hein, pas très méchant, et ça a été logué. J'ai quitté la session et c'est sorti. Donc on voit la commande qui est appliquée et on voit l'utilisateur. Donc on rentre dans la condition de traçabilité, d'accord, de toutes les actions. Donc voilà, rien que ça, au niveau sécurité, pour se conformer à des politiques de sécurité des systèmes d'information, on répond déjà aux bonnes pratiques. Ensuite, si on s'intéresse aux aspects de complexifier les mots de passe, donc ça, c'est juste à titre indicatif. Alors cette présentation, je la mettrai en partage hein, sur le wiki, vous pourrez y accéder et revenir plus en détail sur tous les points si ça vous intéresse. Voilà. Donc là, pour comment on gère sur un système Debian pour augmenter donc, la complexité des mots de passe et avoir une politique de mots de passe, on va utiliser PW Quality, d'accord, et ça fait partie des ce qu'on appelle les Pluggable Authentication Modules, les PAM, d'accord. Donc par défaut, il n'est pas installé, donc il faut l'installer. On l'installe à aptitude install libpam PW Quality, voilà, donc je l'ai bien installé avec sudo, hein, j'ai fait les choses bien. Et ensuite, on va dans le répertoire PAM.d et on greppe sur PW Quality, et on voit que par défaut, le système autorise que 3 connexions. Retry 3, only 3 tentatives de connexion. D'accord ? Comme je l'ai écrit ici. Sinon, on est déconnecté. D'accord ? Si on va aller plus loin, alors la question c'est combien on autorise de tentatives de connexion ? Alors, 100, 12, c'est pas évident à savoir. Donc, alors ça c'est la taille du mot de passe. D'accord. Donc la taille du mot de passe, donc password complexity. Alors ça se paramètre dans le fichier. Donc il faut éditer le fichier passwordquality.conf et on a tout un ensemble de paramètres que l'on peut renseigner ici. Et par exemple ici, la taille minimum, bon, 12 caractères. Tout ça, c'est des choses très simples. Je ne vais pas m'étendre très longtemps. Donc, si vous êtes basé sur une politique de sécurité dans votre entreprise, vous avez juste à vous appliquer sur ce qui est stipulé dedans. D'accord ? Ah, je bouge beaucoup, c'est ça ? Non ? C'est ça ? Bon. OK. Bon, rien d'extraordinaire, là, tout le monde comprend. Si on veut aller un peu plus loin on veut combattre les attaques par dictionnaire, donc les attaques par brute force, qu'est-ce que l'on va faire ? Donc, on va définir un nombre maximum de tentatives de connexion. Donc, alors, ici, la question est combien ? Alors, on pourrait mettre 100, parce que, pourquoi 100 ? Parce que ça permet déjà à l'utilisateur, s'il a oublié son mot de passe, d'essayer 15 fois, sans avoir à bloquer son compte. Et s'il y a une attaque par dictionnaire derrière, au bout de 100 fois, ça va arriver très vite, le compte est bloqué. D'accord ? Donc, comment on paramètre ça ? Donc, il faut aller donc, dans le fichier de configuration, pareil, donc etc pam d login, ok, et modifier le paramètre hot require deny, et qui est ici dans le fichier. On a un exemple, et on voit que par exemple ici, si on met deny
4 tentatives, on peut mettre là le nombre que l'on souhaite. D'accord ? Ce module est déjà installé sur Buster, donc il n'y a rien à faire si ce n'est de l'utiliser. D'accord ? Maintenant que l'on a vu un bref aperçu de la sécurité au niveau des utilisateurs, on peut se poser la question du firewall. Des systèmes comme Red Hat arrivent déjà avec des firewalls préconfigurés et aussi SE Linux préinstallé. Donc, on va travailler sur des notions de security in deep, donc sécurité en profondeur. Sur Debian, dans Buster, on n'a pas de firewall par défaut et pas de règle IP table non plus de paramétrer. Donc, on le voit avec les deux commandes, IP table-l, qui ne fournissent rien. Alors ici, on est sur c'est IPv6, et là, on est en IPv4. D'accord ? Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ? Ça veut dire que l'installation du firewall va être à votre charge. D'accord ? Le système ne préconise rien. Donc là, on peut trouver tout un ensemble de solutions. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Alors, moi, je propose IPETA persistant, qui n'est pas bien compliqué à mettre en place et qui va permettre de conserver vos règles de sécurité du firewall, même après un redémarrage. D'accord ? Ça va rejouer les règles IPETables via un script. D'accord ? Donc, comment on installe IPETA persistant ? Ben, avec apt, aptitude install. Voilà. Et il vous propose de sauvegarder les règles en cours. Donc, si vous avez déjà des règles qui ont été jouées sur le système, il va les rajouter à son fichier de configuration, ce qui est très pratique. Donc, après, on ne va pas rentrer dans les détails de IP table, mais c'est juste pour vous donner un aperçu. Donc, une fois que l'on a installé IP table persistant, on peut aller regarder dans le répertoire etc IP table, et là, on voit qu'il nous a créé les règles pour roles V4 et V6 qui vont faire référence à IPv4 et IPv6 sur lesquels vous avez toute l'opportunité de les modifier et de les adapter selon votre politique de sécurité que vous voulez mettre en place. D'accord ? Donc on voit qu'après le redémarrage du système, on a une persistance des règles en place. Alors, il existe d'autres alternatives que IPTable, je le mets juste à titre indicatif. Sur les systèmes Ubuntu, on va trouver UFW et il existe aussi NFTables, que je n'ai pas expérimenté, mais c'est à titre indicatif. Donc il faudra l'installer vous-même. IPTable persistant restant la meilleure solution pour Debian. Maintenant, on va s'intéresser au chiffrement et au durcissement des connexions avec SSH, du shell sécurisé. Alors, l'objectif est de, si on veut chiffrer, alors je ne parle pas de Lux qui permet de chiffrer des partitions, c'est déjà implémenté, on peut, à l'installation du système, on peut le mettre en place, c'est assez bien fait. Là, c'est vraiment des choses dont l'idée, ce serait de rajouter. Là, si on veut, par exemple, chiffrer le répertoire de l'utilisateur, on va utiliser ECryptFS, Ecrypt File System, donc qui correspond à Entreprise Cryptographic File System. Alors, pour l'installer, on va utiliser apt get install ecryptutils et... ensuite, on va jouer la commande suivante pour pouvoir chiffrer toutes les données qui sont dans le répertoire. Alors, ça, c'était très utilisé. On va voir pourquoi il y a un petit souci avec. Et on pouvait aussi l'utiliser pour chiffrer la swap, la partition d'échange. Parce que c'est bien de chiffrer ces données utilisateurs, mais si on arrive à friser la machine et accéder à la swap, on pourrait avoir accès à des données sensibles aussi. Donc cet outil le permettait, mais quand j'ai voulu l'installer,
je me suis rendu compte qu'il a été supprimé de testing, donc pour un problème de bug. Donc c'est très récent. Donc du coup, à suivre. Pour, s'il y a des experts dans la salle là-dessus, peut-être ils nous répondront si ça va revenir. D'accord. Donc pour le moment, utilisez Lux pour chiffrer vos partitions à l'installation du système plutôt que Ecrypt File System. Maintenant, tout à l'heure, on parlait comment renforcer la sécurité des mots de passe. Alors, dans mon existence de la cybersécurité, je suis souvent amené à faire des attaques par social engineering, par mail. Et qu'est-ce qui se passe généralement? C'est que quand on demande leur mot de passe à un utilisateur, il les donne. D'accord. Donc il n'y a pas besoin d'avoir faire du reverse engineering ou je ne sais quoi. On peut considérer que les mots de passe maintenant ne sont plus sécurisés. Alors, pour des raisons déjà, le brute force, tout ce qui est keylogger sur les postes, hein, ce qui enregistre tout ce que vous tapez au clavier, mais le social engineering reste quand même, avec le spear phishing, l'arme absolue pour tout pirater sur Internet. D'accord. Donc, comment on va se protéger de ça? On va utiliser les clés de cryptographie SSH pour faire disparaître les mots de passe. D'accord. Donc, je pense que beaucoup de monde ici connaissent ça, hein, c'est juste à titre indicatif, mais ça, c'est bien d'être dit. Donc on va utiliser la commande SSH keygen qui va générer une paire de clés, une clé publique, une clé privée, et grâce à ça, on va pouvoir autoriser des utilisateurs à se connecter sur des serveurs sans mot de passe, d'accord, ou sur d'autres comptes, d'accord. Donc du coup, les conseils sont d'autoriser les utilisateurs donc à pouvoir échanger des clés, donc être basé sur des clés de cryptographie, et bien sûr, et si ce n'est pas fait, bloquer l'accès SSH au compte-route de l'extérieur. Pour éviter en même temps les attaques. Alors, comment on fait ça? C'est très simple. Vous générez une paire de keys, une paire de clés sur votre machine, donc avec SSH keygen. Vous choisissez le type de chiffrement symétrique. Donc ici, par défaut, maintenant c'est RSA. Et la taille de la clé publique, 4096. Voilà, on considère que 2048, c'est. Ça va bientôt être cassé, donc on se protège pendant 10 ans. Là. L'informatique quantique cassera la cryptographie symétrique. Hein. Donc, à terme, RSA sera remplacé. Voilà. Alors, une fois que l'on a généré notre paire de clés, on va se connecter sur notre serveur, comme j'ai fait là, et j'ai copié ma clé publique dans un fichier spécial. Pour que le serveur me connaisse et m'identifie. Voilà, donc dans le fichier Authorized Keys, on va les copier sa clé sur le serveur distant, de façon très simple. Et une fois ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je peux me connecter sur mon serveur sans mot de passe, comme là. Donc j'ai tapé SSH, mon nom, mon serveur, et il ne m'a pas demandé de mot de passe, je suis connecté direct dessus, et quand je fais hostname, je suis bien sûr mon serveur Buster, voilà, et non pas sur mon workstation qui est Fred et Messi. D'accord. Voilà, donc rien d'extraordinaire, mais c'est quand même une révolution. On me demande souvent si ça existe sous Windows, je ne sais pas répondre, donc si ça existe, je ne sais pas. Alors, maintenant, comment on fait pour désactiver le compte-route de l'extérieur? Donc, c'est très simple. Par défaut, sur Debian, le fichier d'administration, donc c'est ssh-config, d'accord? Et par défaut, le paramètre qui permet d'autoriser ou pas l'accès au compte-route, c'est permit root login. Alors, permit root login, par défaut, il y a prohibited password. Ouh, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'en fait, le compte-route est autorisé à se connecter, mais seulement par échange de clés. C'est-à-dire,
ça bloque, on ne peut pas se connecter de l'extérieur au compte-route avec un mot de passe. D'accord ? Donc déjà, ça bloque les attaques par brute force. Donc c'est déjà pas mal. Après, si on choisit de totalement bloquer l'accès au compte-route, même par clé SSH de l'extérieur, on paramétrera permit route login à no. D'accord ? OK. Donc, et bien sûr, of course, we restart SSH. OK. OK. Donc, voilà. Tout ça, c'est très simple à faire et ça se met en place très rapidement. Après, il suffit juste de faire sudo et pour avoir accès aux tâches d'administration. D'accord ? Maintenant, on va s'intéresser à autre chose. Alors, ça. Alors, les slides vont être de plus en plus complexes, d'accord ? Mais je vais essayer de vulgariser au maximum. Une des failles de sécurité qu'on trouve beaucoup dans les challenge route me c'est, de cybersécurité, c'est le SUID. What is the SUID ? En fait, il est possible de donner à certains exécutables des droits sur lesquels un utilisateur, en utilisant cet exécutable, va récupérer les droits de l'utilisateur pour lequel il a été créé. Ça veut dire quoi ? Si par exemple, ici, je suis un utilisateur et je veux changer mon mot de passe, qu'est-ce qui se passe ? Je vais utiliser l'exécutable passwd et cet exécutable va devoir accéder au fichier des mots de passe chiffrés qui est etc shadow, d'accord ? Où les mots de passe sont hachés en SHA-512. Mais ce fichier, l'utilisateur n'y a pas accès. Donc pour faire ça, on va rajouter ici une chose spéciale qui est SUID. Donc ici, il est pour passwd et avec l'utilisateur root. Ça veut dire que les utilisateurs qui vont accéder à ce programme deviendront root en l'utilisant. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il existe sur votre serveur Debian tout un ensemble de fichiers programmes qui ont le SUID positionné et qui sont sur route. Donc, on peut se demander si ce n'est pas une faille de sécurité majeure. Alors, en prenant du recul, j'ai trouvé dans un bouquin que c'était « Necessary Evil ». Bon, pourquoi pas. Mais, donc du coup, c'est nécessaire, mais ça reste dangereux. Alors, dangereux pourquoi ? Parce que si d'autres utilisateurs arrivent temporairement à avoir des accès route et vous rajoutent des SUID un peu partout sur le système sans que vous le voyez, ça peut faire des portes d'entrée pour des attaques futures. Donc, ça mérite d'être audité. Alors la question, c'est comment on regarde sur un système quels sont tous les fichiers qui incluent ce flag ? Il y en a qui savent ? Comment ? Find ? Le voilà. D'accord ? Un find. Un joli find. Donc, on fait comme ça, avec, à partir de la racine du serveur, on cherche les fichiers qui ont la permission 4000 ou la permission 2000. Puis là, par exemple, on redirige ça vers un fichier texte pour les regarder. Là, je me suis amusé à auditer juste Debian 10. Il y en a 13. De base, sur un système où il y a juste SSH d'installer. Voilà, système natif, il y en a 13. Voilà, donc ça peut être une faille de sécurité aussi, donc c'est quelque chose qu'il faut surveiller. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme mesure pour empêcher des utilisateurs ou protéger des systèmes de réaliser des SUID ou des SGID pour le groupe ? On va créer, par exemple, ici, une partition. Donc ici, c'est la partition slash temp, et on va la monter en no SUID. Il ne sera pas possible dans la partition temporaire ou qui est beaucoup utilisée pour des attaques avec des scripts. Déjà, on va empêcher les scripts de s'exécuter sur slash temp, et en plus, on empêchera de mettre des SUID sur les fichiers-là pour des attaques futures. D'accord ? Voilà, donc ça se paramètre dans etc fstable, le fichier des points de montage du système. D'accord ? Ensuite, j'avais pensé parler un peu de systemd, mais je me suis rendu compte que c'est encore un monde, tout ça, et sur une présentation de 40 minutes, c'est vraiment trop court. Donc, je le liste juste pour de garder en mémoire que les services aussi peuvent être des bases d'attaque, et il faut toujours avoir
en mémoire qu'est-ce qui tourne comme service sur son serveur. Donc vous allez l'auditer avec la commande systemctl. Et pour regarder les services actifs, -t, service, status, actif. Il y en a vraiment toute une palanquée, et même, même sur un système qui est fraîchement installé comme là. D'accord ? Donc on va retrouver Apparmor pour le Mac, tout ce qui est le cron, le réseau, etc., etc. Il y a plein de choses. Voilà. Maintenant, on va rentrer dans des choses un peu plus complexes. Alors, comment on attaque un serveur Linux de l'extérieur sur des failles? On va utiliser ce qu'on appelle des buffer overflow, des attaques par buffer overflow. C'est-à-dire on va utiliser une faille qui est liée à la compilation beaucoup des programmes en C, qui fait que on va pouvoir écraser des variables ou mettre des choses dans ce qu'on appelle la pile pour pouvoir injecter du code qu'on va pouvoir réussir à faire exécuter pour pouvoir prendre la main sur les serveurs. Les attaques par buffer overflow sont un fléau sur les systèmes. Ça touche tout le monde. Comment on se protège de ça? On va utiliser une fonction qui s'appelle ASLR, pour Address Space Layout Randomization, où à chaque lancement du programme, le système va le mettre à des endroits différents, ce qui fait que l'adresse où on va injecter notre shellcode, ce qu'on appelle notre malware, on va dire, notre code malveillant, ça bougera sans arrêt, on ne saura pas exactement où il est à chaque fois, du coup ça va complexifier les attaques. D'accord ? Donc, par défaut, si vous regardez sur votre buster, vous faites un cat sur ce fichier, randomize via space, et vous voyez 2, c'est actif. Donc, votre système, nativement, est protégé contre les attaques de basique, on va dire, buffer overflow. On va voir qu'il n'est pas protégé contre le ROP, le Return Oriented Programming. Donc, il me reste 8 minutes. Alors, comment le système va compiler ses packages pour prendre en compte des directives de sécurité? Alors là, on rentre un peu dans la technique. On est sur ce qu'on appelle les flags de compilation. Et par défaut, en faisant une recherche sur Internet, je suis tombé sur un forum de 2010 où Raphaël avait écrit. Donc j'en ai profité pour copier tes commandes. Hein, c'était très marrant, sachant que j'allais te voir aujourd'hui. Voilà. Donc la commande dpkg build flag, donc en fait, quand on la joue par défaut sur Buster, elle donne toutes ces choses à peu près incompréhensibles. On va essayer juste d'en traiter 2-3 pour expliquer. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que, donc là ici on a des fonctions de protection, on va dire stack protection, stack c'est la pile, plus d'autres choses, des protections contre le format string, mais j'ai comparé entre Debian 9 et Debian 10, il n'y a pas eu de changement, d'accord? Donc on n'a pas eu d'amélioration claire à ce niveau-là. Donc si on veut regarder ce qui se passe, par exemple, si vous voulez compiler vos packages, vous utilisez la directive de compilation CFlag sur lequel vous allez ajouter ce qui est donné par la distrib, ici. Et on voit, quand on joue cette commande-là, ça nous donne donc la protection la stack, double format et werror égale format de security. Alors, qu'est-ce que, par défaut, tout ça nous amène? Ça nous amène déjà stack protector, ici, nous ajoute un canari dans la pile, dans le préambule de la fonction. Alors, pour l'anecdote, le canari, c'est quoi? C'est une analogie avec les coal mines, les mines de charbon, sur lesquelles ils mettaient un petit oiseau dans une cage, et quand il commençait à être pas bien, c'est qu'on allait avoir un coup de grisou. D'accord? Et ce terme a été repris, donc on le met dans la stack, c'est un nombre aléatoire qui est généré dynamiquement et qui va permettre de vérifier que la pile n'a pas été écrasée par un code malveillant. Sur une partie. Donc ça, c'est nativement dans tous les packages qui sont compilés sur Buster, qui existaient déjà dans Debian 9. Ensuite, on va trouver double format. Ça permet de vérifier que on n'a pas de faille sur printf et scanf, qui sont des fonctions du C qui sont utilisées partout, du langage C, et de façon à éviter une autre faille qui s'appelle les attaques par format string. D'accord ? Donc, nativement, on est protégé. Et le dernier, ici, werror égale format security, ça veut dire si on a un warning
un avertissement comme quoi il y aurait possiblement une erreur type format string. Le warning, on le passe en erreur, on bloque la compilation. D'accord ? Donc, du coup, voilà ce qu'on en a nativement. Ça, c'était pour la compilation. Pour le link, donc le LD flags, alors je ne peux pas rentrer dans le détail de ce que c'est que le link si ça ne vous parle pas, mais je vous invite à reprendre les slides plus tard et à regarder sur Internet. Ici, sur les flags, ici, en jouant la commande dpkg build flag et en demandant les LD flags, on voit que l'on a -z et zelro, relzo. Relro, voilà, je suis dyslexique, je ne sais pas d'où ça sort, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, pour empêcher que la pile, la stack, soit aussi attaquée, on va la mettre en read-only, à la fois tout ce qui concerne donc l'application. D'accord ? Et je crois que c'est ses dépendances aussi. Je ne me rappelle plus. Voilà, donc ça, c'est ce qui existe actuellement. Mais il manque des choses. Il manque le PIE. Alors, il existe une attaque qui permet de contourner toutes les protections de buffer overflow qui s'appelle ROP, Return Oriented Programming. C'est un système assez complexe à mettre en place, mais qui marche assez bien quand on le maîtrise, et qui permet donc d'exploiter de nouvelles vulnérabilités. Et la protection, ce serait une directive de compilation, qui serait celle-là, FPI, et ça existe dans GCC8, donc le compilateur en version 8, qui est dans Buster, mais actuellement, cette directive de compilation n'est pas utilisée pour générer les packages. D'accord ? On ne la voit pas ? Ah, il est fait par défaut. D'accord. Oui, il y a une époque où, effectivement, on l'activait via des packages et build flags. D'accord. OK. Ok, d'accord. Donc elle est par défaut. Bon, ben, ça... bon, donc du coup, on est sécurisé. Par contre, apparemment, celles-là ne sont pas activées par défaut. Et elles pourraient l'être. Donc ça, c'est des protections au niveau de nouvelles protections sur la stack qui font référence à des attaques très récentes qui sont référencées par Qualys. Là. Et je vous invite à regarder les slides si ça vous intéresse d'aller plus loin. Voilà. Alors, par rapport à tout ce qu'on a vu, il y a aussi tout un ensemble de choses qui sont faites qui n'apparaissent pas dans le kernel de base. Alors, Debian, en fait, donc, rajoute tout un ensemble de protections donc dans l'aspect de sécurité en profondeur pour sécuriser un kernel. Il me reste 2 minutes, donc je vais essayer d'accélérer sans que ce soit incompréhensible. Voilà. Donc, première chose à faire, c'est que... il y a un fichier de configuration qui s'appelle sysctl.conf qui est lu au démarrage du système et qui va prendre en compte tout un ensemble de variables pour les impliquer au kernel. Alors ici, je vous donne un exemple. Donc j'ai juste affiché que quelques lignes. Et à partir de là, on voit que si on active ce paramètre ici en décommentant, on peut se protéger contre des attaques par spoofing, ce qui n'est pas fait par défaut. Voilà, donc il y a tout un ensemble de variables sur lesquelles on peut renforcer la sécurité du kernel sur lequel vous pouvez agir. Ensuite, dans le renforcement de la sécurité du kernel, de base, il y a tout un ensemble de patchs qui sont appliqués par les mainteneurs de la distribution, les mainteneurs du kernel de la distribution, par exemple pour désactiver les namespaces. D'accord, par défaut, donc ce qui va bloquer certainement l'utilisation de Docker. Donc il faut après utiliser cette commande-là, sysctl, qui permet de configurer dynamiquement le kernel pour réactiver cette fonctionnalité. D'accord. Et aussi, Debian intègre les patchs lockdown qui ont apparemment mené à un débat dans la communauté du kernel Linux, à savoir si on devait les appliquer ou pas, et qui permettent de se protéger, entre autres, contre le chargement de modules non signés ou des commandes k-exec.
Le Secure Boot est maintenant fonctionnel sur Buster. Alors, avant, on ne pouvait pas, vous savez pourquoi? Parce que c'est la notion de shim, le firmware qui est chargé au démarrage, était signé par l'autorité de certification de Microsoft. D'accord? Donc, apparemment, ça ne s'entendait pas. Donc, maintenant, le Secure Boot doit être fonctionnel. J'avoue, je ne l'ai pas encore testé. Voilà. Si, il existe un outil qui s'appelle kconfig hardening check qui permet de vérifier tout un ensemble de points de sécurité sur votre système Debian. Et ici, par exemple, en le passant sur donc, la Buster, on trouve 50 erreurs sur 51 compliance issues, d'accord. Mais il y a aussi des faux positifs, donc tout ça est bien sûr à modérer. Tac. Voilà. Ensuite, bon, ça, j'aurais pas trop le temps d'en parler, il me reste 5 secondes. Sur 6CTL, on voit que, on parlait tout à l'heure, les utilisateurs maintenant ne peuvent plus taper DEMSG pour voir les logs du kernel. La sécurité a été renforcée ici. Et j'aurais juste terminé par ça. C'est toute la difficulté entre. Il y a un projet qui s'appelle KSPP qui va lister tout un ensemble de bonnes pratiques pour sécuriser le kernel sur lequel on peut se référer pour les appliquer. Et ce n'est pas appliqué de base. Pourquoi? Parce que Linus Torvald les a refusés. D'accord? Voilà. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai mis deux liens qui proviennent de debian.org. Et voilà, je suis over time. Donc, Thank you, Fred, for your talk. Sadly, we don't have time for questions. If you want to ask Fred for some questions, you can find him outside.